Et salut à tous, c'est Devil. On se retrouve pour ce quatrième épisode où on va faire principalement de la barricade. Je vais y arriver. La fatigue, c'est le matin. Ouais, donc de la barricade. J'aimerais barricader tout le bas. Donc tout ce passage va être en accéléré. En même temps, ça peut passer niveau 3, 4. Ça serait bien pour la porte ici. Je me fais de la place. Et puis, on est parti.
J'ai plus de planches. On a bien avancé, j'ai barricadé une porte sur les deux. Comme ça, je garde un accès. A voir ensuite comment je pourrais faire. Certainement, je vais voir. Peut-être que là, à l'étage, je vais continuer peut-être faire un deuxième étage et une fenêtre avec une corde. Corde de drap. Et totalement condamner ça. On verra. Ça, je continuerai ensuite. Là, du coup, il est exténué, il n'en peut plus. Il est à plat. Je vais le faire se reposer un peu. Je vais monter ça. Hop. Du coup, j'ai pas pris de points. En même temps, j'avais pas lu le livre. Menuiserie. Ouais, on a presque rien pris. On a presque rien pris. On ira démonter des lits. Mais ce qui serait pas mal, c'est de trouver déjà... J'avais pas... Non, j'avais pas de briquet ni d'allumette là. Pas de cigarette pour lui. Il a pas travaillé assez vite. Du coup, il est triste. On va lire un journal. Petite lecture. Est-ce que ça va suffire ou faut un magazine? Ah, ça suffit pas. On va prendre un magazine. Dépêche-toi un petit peu. Il est exténué. Du coup, ça, on peut laisser ça là. Ça, je laisse ici. Ainsi que les clous. Ici, j'ai posé la charnière. Je vais mettre la poignée de porte. Et j'avais pris une autre charnière, je crois. Elle est là. Voilà, ici on va mettre les clous. Tout ce qui est munitions et tout ça, pour le moment on va laisser ça là-dedans. Munitions, le couteau, le pistolet, le chargeur, le dépresseur. Chargé pour rien. Bandage adhésif, deux suffiront. Un seul suffira, pardon. Deux, vous m'avez compris. Les clous. Du coup, là, le sac est bien vide. Antidouleur, bandage. On va lire ça. On va finir la journée avec une petite lecture. On va lire ça ensuite. Et puis... Et puis, il va dormir. Lire. On va se mettre une poubelle là, je pense. Là ou là, on verra. Faudrait qu'on trouve une masse aussi. Ok, donc, en attendant. Je ne passe pas. Mince. Où est-ce que je vais me faire un petit tas? Là. Et on va mettre ça ici. En attendant. Est-ce qu'il serait pas mal? Est-ce que j'ai... Avant, est-ce que j'ai à manger pour demain? Rien du tout. On va aller chercher un truc à manger. D'accord. S'il veut bien. Il veut déjà retourner au lit. Hop, je me sens un peu plus en sécurité du coup, c'est plaisant. Un brocoli. Qu'est-ce qu'on va prendre? Un oignon. Un poireau. Ainsi que... Un poivron. J'avais un bol. Je vais le prendre un seul. Ok. Est-ce que... Alors, je vais prendre un petit antidépresseur en espérant que ça... Bah, ça va jouer. Non, c'est de l'inquiétude, donc non. Pas grave. Hop. Voilà.
Du coup, il est exténué, on va dormir. Il est triste. Tout le temps. Il est tout le temps triste. Réduction de l'ennui, du stress. Dis-moi ça. Et puis après, tu dors. Allez, dors. Réveille-toi de bonne heure, 3h20. Il dort de moins en moins. Ok, il a fait un cauchemar apparemment, affolé. On va faire une petite salade. On crée une salade. Oignon. On va mettre des brocolis. Non? Tu veux pas? Ok, on va mettre du poivron et du poireau. C'est tout. Et ça donne combien? 39, ouais. Allez, mange tout. Et puis voilà. Le marteau, on le met dans le sac à dos. Il lui faudrait absolument un briquet ou des allumettes. Parce que là, il va pas tenir. Alors, en tout cas, ce qui est bien, c'est que là, il y en a de moins en moins à l'intérieur. On va se prendre... Les boîtes, on va vraiment les garder pour plus tard. Qu'est-ce qu'il y a dans le congélateur qu'on pourrait prendre? On va changer un peu, on va prendre du citron. Et puis deux oranges. Et une pomme. Voilà, ça va être son repas d'aujourd'hui. Quatre heures du matin, c'est un peu risqué, il fait nuit. Mais il en est capable. Il en est capable. Le problème, c'est que j'ai pas de véhicule. Et il faudrait trouver un briquet. Non, le coffre. Y a rien. Ça m'est arrivé plusieurs fois de trouver un cadavre dans le coffre. J'ai trouvé ça marrant. Bonbon. Eh ben regardez, hop. Non, pas le portefeuille. On prend. Ok, il y a la clé. Mais il n'y a pas d'essence. Jerrycan vide. C'est bien ça. Du coup, est-ce qu'on peut siphonner ici? Non. Siphonner le carburant. Là, je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Après. Et puis, on remplira de gasoil. On peut remplir. Ajouter du carburant. On va se balader, du coup. Explorer un peu. Qu'est-ce que ça a donné comme carburant? Est-ce qu'il y en a assez? Ah, c'est trop peu encore. Trop peu. Ça fera l'affaire. Comme véhicule, du coup. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Jerrycan vide. On va le prendre aussi. Est-ce qu'il y aurait... Oh voilà, il y a du carburant ici, parfait. Mettre un peu d'essence encore et puis on va partir dans les hangars qui sont un peu plus bas. L'idéal, ça aurait été un camion. On va faire avec.
Allez, dépêche-toi. On y va. Est-ce qu'il est plein? La clé, on va la mettre là du coup. Qu'est-ce qu'il a en quantité? Il est plein, parfait. Je sais alors qu'il en reste encore un peu dans l'autre voiture. Il veut pas faire le tour? Allez, dépêche-toi d'ajouter. On a un invité. Ok. Tu m'apportes un briquet, toi? Une drogue? Non. Ok, alors, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est quoi ça? D'accord, j'ai rien dit. J'ai ricane. On va mettre sur le siège à côté. Ok, bon, on va y aller comme ça. On va y aller doucement, pas trop casser la voiture. Alors, c'est juste à côté. Je sais qu'il y a une station encore un peu plus bas. Mais là, déjà, on va fouiller ici. Bonjour les copains. C'est moi que voilà. Tu fumais toi ou pas? S'il te plaît, tu fumais. Tu fumais pas. Toi, tu fumais ou pas? Non plus. C'est affolant. C'est affolant. Alors, on va boire. On va remplir la bouteille. On va laver nous et les vêtements. Là, y a rien, y a rien. En même temps, je n'attendais pas avec ça. C'est-à-dire que c'est ouvert. Pas cool, c'est vraiment pas cool. Zombie, voilà, viens taper la porte. Il peut la casser pour moi. Ça serait bien, je reviens. On va aller voir là-dedans, avec un peu de chance. Ça serait bien de trouver une masse. Bonjour. Comment allez-vous? Pour la location de votre garage. Le seau, on va le prendre. Le reste, pour l'instant, je ne suis pas intéressé. La molette, non. Je t'ai entendu.
tout est fermé. Là, c'est ouvert, on a peut-être une chance. Oh oui, je dis oui. Fume ta cigarette tout de suite. Il est sauvé, c'est bon. Tuyau, radio. Pour l'instant, on s'en occupe pas. Reviendra, hein. Ok, rien de plus. Un petit pétabloquant pour le calmer un peu. Toi, on va s'occuper de toi maintenant. Arrête de taper comme ça. Et on prend un autre point. C'est parfait. Retiens. Lame. Longue lame. T'es fermé, ça sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Est-ce qu'on l'aiderait pas là-haut? On l'aiderait pas à casser la porte un peu? Enfin, j'ai réussi. Et toi, qu'est-ce que t'as fait là? Je t'attendais. Il n'y a rien. Ok. Est-ce qu'il y a... On va manger un truc déjà. Est-ce qu'on pourrait pas se faire une petite salade de fruits? Citron. Orange, pomme, orange encore, on va tout mettre. Hein. Ok, on va tout manger. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une batte de baseball, c'est bien ça, on va se refaire un peu niveau armes. Et principalement ici, ça va être que des balles de baseball. Hop. Batte de baseball, briquet, parfait. Cigarette. Le reste, pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Cigarette, je prends. Je les ai mises là, je vais les mettre là. Batte de baseball. On va en faire des balles de baseball cloutées. Silencieux. Arrête. Rien d'intéressant, rien non plus. Rien non plus. Du coup, on va en faire une cloutée. J'ai un marteau, mais j'ai pas de clou. Mince. Ah. On pourrait pas allumer. Bonjour. pinceau et tout. Pour l'instant, je suis pas intéressé. Là, il y a un Z, je crois. Non. Et on pourrait presque dormir là. Un générateur. D'accord, lui on pourrait le prendre. Allez, je t'ai vu.
Clé de maison. Pas de quelle maison. Mais c'est toujours bon à prendre une clé de maison. Je prends ça, je prends. Deuxième générateur. Rien d'intéressant. Carrette, magazine. En tout cas, je sais qu'ici il y aura deux générateurs. Oh, une hatchette, parfait. Parfait, parfait. Clope, une batte encore. Mais je ne trouve pas. J'ai vu qu'il y avait un seau. Là, je vais le prendre quand même. Les sacs aussi pour prendre de la terre. Du coup, j'allais oublier ça. Pour l'instant, les clous. Hop, pile, super glu. Est-ce que je peux faire maintenant une batte de baseball cloutée? Du coup, elle, je la mets sur le dos. Et on va jouer avec ça un peu. Pour monter un peu les points. Oh, un troisième générateur. C'est magnifique. Hurricane arrosoir, je vais prendre. Là, rien d'intéressant. Il n'y a pas de masse, hein. Il n'y a pas de masse. Massette à la limite. Mais je pense pas qu'on puisse casser. Non, je pense pas qu'on puisse casser les. Le grillage avec. Et tout est fermé quoi. Bon, je vais casser ça au marteau. Je vais vous faire un petit accéléré. Parti. Voilà. Bon, ça s'est cassé. J'ai passé un petit peu de temps, pas trop. Ça va encore. Je m'attendais à pire. L'idéal, ça serait une massette. Pas une masse. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, j'abandonne. En tout cas, des clopes, on va en avoir assez. Hein. On va commencer à croire qu'on est venu ici que pour des clopes. Bon, dépêche-toi de mettre tout ça. Ensuite, je peux démonter la caisse. Non, il me faut quoi? Une scie à bois, j'ai pas. Est-ce que je peux la prendre?
Et la placer là. Il est fatigué, il en peut plus. Il en a marre. Pas de masse, pas de masse, toujours pas de masse. Encore pas de masse. Décidément, on n'en trouvera pas. Tant pis, je casse pas d'autres portes, j'en peux plus. Là, il est fatigué. Est-ce que on peut le prendre? Faudrait que je trouve. D'accord. Prendre le générateur. On va préparer gentiment. Et on reviendra pour casser toutes les petites portes partout, là et dehors. Quand il sera en forme, quand on aura... On le fera à la massette. Tant pis, tant pis. On peut pas attendre trop longtemps. Du coup, est-ce qu'on peut le drop? Non, on peut pas le drop. Drop générateur, ça va le mettre par terre. Et maintenant... On est obligé de le garder à la main. Prends le générateur. Ouille, aïe, ouille, aïe, ouille. Allez, c'est parti. Bon, on a... Au moins, on a trouvé des armes. Des battes de baseball. Une hachette. Un générateur. Enfin, trois générateurs. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il n'y a plus qu'à mettre tout ça en place. Générateur, on va le mettre à l'intérieur pour l'instant. Voilà, il est fatigué, triste. Il est tout le temps triste, ce bonhomme. Pour le moment, on va le mettre là. Est-ce qu'il a autre chose? Est-ce qu'il a des trucs à manger? Ça, tu vas le lire déjà. Rien à manger. J'ai pas fini de lire, j'ai cliqué trop vite. La massette, on va la laisser là. Ça, on va manger. 629 cigarettes, on va commencer à en stocker un peu ici. Tiens, là-dedans. Hop, tout ça, on va mettre ailleurs. Cigarettes, est-ce qu'on pourrait en prendre la moitié? C'est déjà énorme. Maintenant, si on peut refaire, prendre la moitié, l'autre moitié dans le sac. Je sais pas comment faire autrement. Voilà, pour pas tout prendre d'un coup. Je vais laisser un briquet. En quel état mes briquets? Ouais, ça va le faire. Voilà. L'eau, on est plein. Les chips et tout ça, je vais remettre ça là-dedans. Hop. Ça aussi. Il y avait le riz. Et puis on va commencer du rangement, je pense, pour terminer la journée. On va mettre ça là. La pipe. On va laisser ça là, le marteau dans le sac à dos. Est-ce qu'elle, on pourrait la mettre attachée au dos seulement? Tant pis. Elle, on va l'attacher. Côté gauche. On met une petite cigarette. D'accord, il est fatigué, triste. Hop, on va lire ça. Voilà, les seaux, on va les mettre là, les sacs aussi. Pour l'instant, le déplantoir aussi.
Maintenant, ici. Bon, il y a de la nourriture, mais c'est pas trop trop grave. Les magazines. Mettre là. Hurricane, on va le garder sur nous. Les tableaux camp. Les battes de baseball, on va en laisser. Bah, les 4, j'ai envie de dire. On triera tout ça après. L'arrosoir, on va le mettre à l'intérieur. Marteau super glu. On va gagner à, on va être à 9 kilos à peu près. Oh, 7, peut-être bien. En ayant déposé l'arrosoir là. Ok, on est très très bien niveau poids. On est très très bien. Voilà. Hop. Il est fatigué, très fatigué. Petite antivitamine, pardon. Et puis on va continuer de barricader un petit peu là-haut. Calme-moi ça, voilà. Pourquoi j'arrive pas à rabaisser là? Il veut pas se rabaisser. D'accord. Ok, bah tant pis, je fais comme ça. Oui, forcément. Vous voyez, il n'y a que celui de droite qui se rabaisse là. Hop, celui de gauche, il veut pas. On n'a plus de bois de coupé. Équipé à demain. On va en couper un peu, pas beaucoup. Il en peut déjà plus, le petit bonhomme. Et l'arbre. On va faire 2-3 arbres seulement. Un petit dernier. Et puis voilà. Lâche, on la repose par terre. J'ai un bug, je sais pas. J'arrive pas à rabaisser la fenêtre. Je comprends pas. Ensuite. Oh, il y a l'hélico. Alors ça, c'est pas bon du tout. Hélico coup de feu. Ça sent très mauvais. Je vais poser tout, là, tout ça ici. Ok. On va se préparer à partir. Ça sent pas bon, mais alors pas bon du tout. Est-ce qu'on a un ouvre-boîte? On va reprendre un ouvre-boîte. Et on va prendre des boîtes de conserve, au cas où, s'il faut partir. On ne sait jamais. Je m'attendais pas du tout à ça là. Mais pas du tout. Boîte de conserve, dépêche-toi. On a une ouvre-boîte au cas où.
Après, ça se peut qu'il passe seulement. Et on prépare au cas où. Je me souviens que dans une de mes parties, il m'avait complètement viré de la ville. Trop de zombies étaient venus. Voilà, ça commence. Et j'ai pas d'ouvre-boîte. Allez, il est épuisé en plus. Ça tape en bas. Ils savent que je suis là. C'est dommage. Il marche très très vite. Non? Ok, on a rien. On va partir, on n'a pas le choix. Mis à la porte de chez soi. On va prendre nos deux battes au cas où. Ok. J'ai un petit bug là, du coup, je peux pas cliquer, je peux pas fermer là-haut. C'est vraiment bizarre. On va prendre la voiture. Et on va tenter de les éloigner. C'est chaud. Oh mais non, mais rentre là-dedans. Et puis je suis... Voilà. RIP, merci l'hélico. Je peux pas rentrer. Bon, bah voilà. Au revoir, RIP. À cause des l'hélico, j'aurais dû m'y préparer. J'aurais dû m'y préparer. 8 jours, 9 heures. Voilà. Bon. En espérant que la vidéo vous ait plu. Et maintenant, il va casser le magasin. Mon pauvre magasin. Je pense que c'était un petit peu trop compliqué à barricader. Il faudrait peut-être qu'on pense à faire quelque chose de plus petit. Mais ce qui m'a vraiment fait mal, c'est l'hélicoptère. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à le petit pouce, le petit commentaire, de vous abonner si c'est pas fait. Et puis, voilà, je vous fais des bisous. C'était Devil, à la prochaine. Bye.